ça. Tais-toi. Elle va se faire tuer là-bas. Tais-toi. Reste derrière moi, on doit y aller. Oh non. Ok. Continue d'avancer. Bah là, on se retrouve pour une nouvelle partie. Hein. Ok. Ils vont pas tarder. On doit y aller. Ouais, mais elle est où? Ah, là-bas. Qu'on doit faire, Joël. Chut. Je m'en occupe. Regarde ce côté. Fouille le couloir. Allez, et un seul faux mouvement. C'est qui? Reste accroupi. Munitions. Sérieux? Prenez les escaliers. On va les Ok, ça c'est fait. T'éloigne pas, allez. Ah d'accord, j'ai fait carrément demi-tour. Ah, fallait aller là-bas, là. Qu'est-ce qu'on fait? Joël, comment on va sortir? C'est cette salle. Reste laissé. Je sais pas combien ils sont.
Oh, j'avais pas vu là. Putain, j'avais pas. Il y a un mec là. Bah allez, des fois c'est même pas visé. Toi je t'ai eu, toi. Quoi, il est même pas mort, il me balle dans la tête. Merde. C'était super chaud. Vas-y. En plus là on peut pas mettre de la lumière parce qu'on sait, on sait pas qu'on peut se faire repérer ou pas.
Vas-y. Allez. Je vais bien. Ok. Allez. Non, il veut pas là. Ah oui. Dépêche-toi, Ellie. Dépêche-toi. Allez, allez. Écoute, à propos de Tess, je sais même pas. Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. Ouais, on ira plus vite en passant par là. Waouh. Quoi? Rien, c'est tu juste le que... filmes? J'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. Filmé? J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Preuve. Tu me ramènes pas à Marlène.
Si elle pouvait s'occuper de toi, j'adore ces graphiques. Rien demander. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. Écoute, je voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton amie n'avait pas de grandes chances de s'en tirer. Elle est plus solide qu'elle en a l'air. Peu importe. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Tu peux me croire, je voudrais bien avoir une autre solution. Non, pas penser là. Ok. Tu veux qu'on grimpe? Non, il y a un fil barbelé en haut. Faut qu'on trouve un moyen de contourner. Regarde! De vraies lucioles. Ouais, je vois ça. Désolé. Oh, ça, ça fait mal. Alors, faut que je trouve un moyen de passer. Alors, regardez derrière. Un moyen de passer. Attends. Non. Non. Bah, Oui, je sais. Je vais monter jeter un coup d'œil. Faux. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai même pas vu la planche. Allez. C'est parti. Je sais que c'est ici qu'il habite, mais... Non, personnellement, j'étais encore jamais venu. Et cette fumée, tu crois que c'est lui? Oh oui. Il a plutôt intérêt. Oh, bon, oui, c'est lui. Oui. Allez, vérifie alors. Allez, on y va. Bon, j'arriverai pas à l'enfoncer. Il y a un autre chemin. Par ici. Regarde où tu vas, la chute est raide. Ok. N'approche pas.
Fais chier de ta mère. Viens. On va fouiller. Ok, vas-y, voilà, on va bien. J'essaie d'apprendre à siffler. Tu ne sais pas siffler. Est-ce que j'ai l'air de savoir siffler? Bon, ok. Bah, c'est pas ça qu'on était tout à l'heure en plus. Vas-y. Ok. Donne ton pied. Contente-toi d'ouvrir. Rien de plus. Ça marche. Attention. Ok. Ah, voyons. Ok. Tadam. Bien joué. Merci. Non, je garde celui-là. Ok. Bon, disons que ton pote nous file une voiture. Et après? Eh ben, après on ira retrouver Tommy. Marlène dit que c'est ton frère? Surtout, il faisait partie des Lucioles. Il saura nous dire où t'emmener. Ok. Il vit loin d'ici, c'est pour ça qu'il nous faut une voiture. C'est Bill qui a bricolé ça. Quelqu'un d'autre vit ici à Parmi? D'après ce que je sais, il est seul. Ah, j'ai vu un truc là. Non, ton Dieu! Wouah! Attends, mais qu'est-ce que c'était ça? Ça, c'était un des pièges tendus par Bill. Il est pas un peu parano, ton pote? Ah, t'imagines pas à quel point. Qui
Il est dingue. Il est dingue. Il nous a aidé à introduire des trucs en ville. Capable de trouver n'importe quoi. Eh ben, espérons qu'on finira pas en miettes en cherchant. Regarde bien où tu marches et ça ira. Ok, il va pas. Ouais. Hey, regarde ça. Donne-le-moi. Je suis assez douée pour le tir à l'arc. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'un l'autre. Je préfère pas. La voie est libre, monte. J'arrive. T'aider. Ah oui, la planche. Voilà. Ok. Tiens, on va se servir de ça. Vas-y, c'est bon. Ah, j'ai plus de balles. Ah, mais non. Sérieux, lui? Bon, écoute. Bill, c'est plutôt... genre de gars instable, tu vois. Alors, une fois là-bas... Ok. Compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. Je veux voir ce qu'on peut trouver. Tu trouveras mon cadavre quand je serai morte d'une crise cardiaque. T'inquiète pas. Je m'en occupe.
foutu la trouille de ma vie. Bon. Ouais, ouais, on est là. Allez, on faut fouiller cet endroit. C'est où là en ce moment? Ok. T'es toute seule? Merde, regarde ça. Ok, surtout ne t'approche pas. Ok. Plutôt cool. Chacun ses méthodes. Tu vois ça? Recule. Allez. Ouais, on va aller là, on va regarder là. Piège à la cour de Bill. Là, le frigo. J'ai l'impression qu'il fait contrepoids. Ok. Merci. Coupe la corde pour me faire descendre. Ça marche. Pour sa sécurité. Chier. Allez, j'y arrive pas.
Merde. Ah, c'est chaud. Merde. C'était chaud. Merci d'avoir joué les héros. Ellie. Qu'est-ce que... Joël ! Bill ! Qu'est-ce que vous faites ? Détachez-vous ! Tourne-toi et mets-toi, Joël ! Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mets-toi, Joël ! Fais pas le malin. Ok, t'énerve pas. T'es fait mordre? Non. Des excroissances? Non, putain, j'ai rien. Si je vois le moindre tremblement. Arrête, sale petite garce! T'as fini? Si j'ai fini? Vous débarquez chez moi? Vous déclenchez mes pièges? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire? Et c'est qui cette petite peste? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Ce que je fous ici vous regarde pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Commencez par m'enlever ces menottes. J'ai des dettes envers Joël. Non mais tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben super la blague. Joël veut une caisse. Dis, si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais? Allez. Bah oui, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que tu y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite conne. Non, je vous emmerde. Vous m'avez attaché. Je veux que tu fermes ta gueule. Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Mais pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la.